Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo comme vous allez pouvoir voir dans le titre. C'est une vidéo, dans le fond, un maquillage avec la nouvelle palette de Tarte. Donc c'est celle qui est faite en coquillage, dans le fond, de la collection festival, je pense, pour sirène. En tout cas, elle est tellement belle, je capote, puis j'ai tellement hâte de faire un look avec les couleurs bleues parce que le look aujourd'hui, c'est plus dans les teintes rosées. Puis sérieusement, je capote sur cette palette. Elle est trop belle. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de vous partager le look que j'ai créé. Je vais arrêter de parler et je vous laisse écouter la vidéo. Donc, je commence avec une base à ombre à paupières. C'est le I Love Strobing de Essence. Je commence par les yeux parce qu'avec les couleurs, avec mes brillants à l'intérieur, il peut y avoir des fallout. Fait que, c'est ça. En tout cas, j'ai pris cette couleur-ci que je vous montre, que je mets dans mon creux de l'œil. Et ensuite, je vais venir mettre cette autre couleur que je vous montre. Là, les couleurs vont être écrites dans la barre d'infos. Que je mets sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur duochrome. Elle est trop belle. Je capote. Et que je mets ça sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je prends une couleur un peu plus foncée. Qui est encore une couleur mate. Que je viens mettre dans le coin externe. Et je viens foncer encore plus dans le coin interne. Externe. Ensuite, je prends ma Naked Basics pour blender parce qu'il n'y a pas de couleur pour mélanger dans la palette de Tarte. Et j'illumine mon regard encore une fois avec la palette de Urban Decay. Ensuite, je mets mon Age Rewind, mon correcteur que j'ai bientôt terminé, sous mes cernes et je vais le blender avec un Beauty Blender. Ensuite, je prends ma palette de contour de Anastasia et je viens setter mon... mes dessous de yeux. Ensuite, j'utilise ma poudre de MAC et mon bronzer de Bare Minerals. Ensuite, je mets mon mascara et je fais mes sourcils avec la gamme Total Temptation de Maybelline. Je vais mettre du gel, ensuite de Essence. Et c'est pas mal tout pour les sourcils. Ce que je viens faire ensuite, c'est utiliser un highlight dans la collection de Jeffree Star et Mani MUA que j'ai mis. Sérieusement, il est trop beau. Je capote. Oh my god, checker ça comment c'est fou là. Je capote. Mon highlight, bref. Et pour les lèvres, j'utilise un lipstick de Colourpop que, dans une couleur nude que je vais appliquer. Et le look est fini. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!